Bienvenidos a ese rápido correspondiente de Copa Libertadores de América. Hoy se enfrentan el Monterrey y el Cerro. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Christophe Dugarry pour ses précieuses analyses techniques. Bonjour Christophe. Ouais, salut à toi Grégoire, bonjour à tous. C'est une rencontre qui, à mon avis, va être très intéressante. Pouvez-vous nous livrer vos impressions générales, Christophe ? Alors, j'espère surtout, Grégoire, que l'on va assister à une très belle rencontre. Il va falloir vite rentrer dans la partie, être tout de suite concentré. Tout dépendra de l'entame de match, comme souvent. Et ils vont effectuer cette touche. Et la défense qui réussit à mettre ce ballon en touche. Juan Carlos Medina. Walter Ayovi, Neri Cardozo. Il va frapper. Le gardien a dévié le ballon, corner. Ballon qui s'approche du but. Et non, le ballon a été récupéré. Sergio Pérez. Sergio Santana. Voilà une possibilité sur l'aile. Il reçoit le ballon. Un corner de plus, bien mérité. Une défense bien solide. Et le gardien récupère le ballon. On a atteint la 15e minute de cette première période. C'est une faute, coup franc accordé. Il a de l'espace devant lui. Excellent ballon dans l'espace. C'est chaud pour le gardien. Attention, la frappe! Encore une occasion de centrer. Il est dans la surface de réparation. Ça peut être dangereux, ça. Voilà un bon pressing. Et le ballon qui sort en touche. Le ballon retourne derrière. Et ça peut repartir de l'autre côté. Aldo Negris. On manque de concentration, là. Il faudrait que quelqu'un offre une solution. Il tente la frappe. Et il ouvre la marque. Et bien sûr, sur son banc, l'entraîneur a le sourire. Ses hommes prennent la tête dans cette première période. Alors, on dit souvent que la chose la plus difficile en football est de marquer. Mais là, la passe était très très compliquée à réaliser. Il a plusieurs possibilités. Oh, il lui a carrément confisqué le ballon. C'est bien récupéré, il faut donner le ballon maintenant. Diego Cervantes. Sergio Santana. Superbe interception. Il tente la frappe. Tranquille pour le gardien.
Oh, attention, la frappe! Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop. Ouais, c'était une très jolie frappe. Hein. Beaucoup d'envie et de détermination dans cette action. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Aldo Denigris. Quel coup de patte! Et aucune difficulté pour le gardien. Voilà, Beloka, ce ballon en profondeur. Dans la surface de réparation. Et il marque! Ce but est capital, il les met en position de force dans ce match. Ah, dès qu'il s'est retrouvé face à face avec le gardien, la conclusion ne faisait aucun doute. Hein. Un sang-froid admirable. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il est bien placé. Il est bien servi. Et il doit proposer une solution. Il s'empare du ballon. Mauvaise passe, il faut s'appliquer. C'est bien tenté. Oh, c'est bien, mais quel manque de précision. Ouais, c'est bien. Pour marquer des buts, il faut savoir tirer de loin. C'est une arme redoutable pour les défenses regroupées. C'est plutôt bien joué. Encore 5 minutes et ce sera le repos. Allez, encore une ou deux accélérations. Allez, on joue. L'arbitre l'a pas sifflé. Il peut rentrer dans la surface. Il est dans la surface. Une avance de 3 buts. Attention maintenant à ne pas se relâcher. Lui, chaque fois qu'il touche le ballon, il ne se pose pas 50 000 questions. Il n'a qu'une envie, c'est la mettre au fond. Ça me rappelle de superbes souvenirs. Et de deux. Deux buts pour lui, il est chaud. Il veut marquer danger. Ballon dans les airs. C'est ça. C'est la fin de ces 45 premières minutes. On espère bien sûr avoir un spectacle de grande qualité au cours de la seconde période. Mais lorsqu'on rentre à la mi-temps comme ça avec des buts d'avance, l'erreur est de croire que le match est plié. Il ne faut surtout pas se déconcentrer et essayer de tuer le match dès le début de la deuxième mi-temps. Et ils ont largement dominé cette première période. Ils mènent 3-0 à la pause. C'est le début de la seconde période. Il faut juste qu'ils continuent sur le même rythme. Sergio Santana. Aldo Denigris. Neri Cardozo. C'est un ballon donné à l'adversaire. Il est hors jeu, faut pas oublier de se replacer.
il l'a bien récupéré, mais il concède le corner. C'est très haut. Oh, le gardien est en danger. Maintenant. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. C'est bien de partir en contre. Il est dans la surface de réparation. Et ils alourdissent la marque. Une leçon qui tourne à l'humiliation. La différence de niveau aujourd'hui sur la pelouse est abyssale. Ah, il est fantastique. Et à part la fin du match, je ne vois pas qu'est-ce qui peut l'arrêter aujourd'hui. Et le troisième but pour lui aujourd'hui, l'un des plus beaux matchs dans sa carrière. Dans la surface de réparation. Nouveau but dans ce match. Et l'entraîneur peut sourire sur son banc comme nous. Il assiste à un véritable récital. Voilà, on sent que les deux, ils ont l'habitude de jouer ensemble et qu'ils sont parfaitement complémentaires. C'est vraiment l'appel qui a provoqué la passe. Et le doublé. Le doublé pour lui. Quelle frappe! Neri Cardozo. Un débordement qui peut être intéressant. Et il a bien senti le coup. C'est bien d'avoir récupéré. Attention, il est en train de se mettre en difficulté là. En profondeur pour son partenaire. Il va frapper. Allez, la frappe. Encore un but. Et ils sont inarrêtables offensivement aujourd'hui. C'est une démonstration. À quelle préparation. Il faut vraiment y avoir une qualité technique largement au-dessus de la moyenne pour réaliser ce genre de passe. Oh, c'est fou. Voilà son quatrième but dans ce match. Un changement, ça peut changer le cours du match. Quel tir ! Juste à gauche du poteau. Oui, mais c'est pas très très bien réalisé. Il s'écrase un petit peu au moment de la frappe et ça l'empêche d'être précis.
À lui de jouer maintenant. Il l'a dépossédé du ballon. Mais le ballon est perdu. On approche le dernier quart d'heure. Il a dégagé. Il s'est imposé pour lui prendre le ballon. Mal joué ça. Aldo Negris. Voilà. Oh, il est tombé du côté obscur, l'arbitre siffle, c'est normal. Voilà, changement, il va laisser sa place. À cette distance, ça a frappé dangereuse pour le gardien. Oh, la détente, parfaite. Il faut qu'il construise. Le drapeau s'est levé hors jeu. Face à face avec le gardien. Et c'est le but. Quel calme. Le geste est parfait. Le gardien ne pouvait absolument rien faire. Superbe passe, superbe coordination entre le passeur et le buteur. C'était un but magnifique. Dans l'intervalle, il récupère la possession du ballon. Juan Carlos Medina, José María Basanta. On est maintenant dans les 5 dernières minutes. C'est bien, il a été lucide sur l'interception, il faut qu'il passe le ballon maintenant. Aldo Negris. Superbe ballon. Et c'est au fond. Oh, superbe. Il savait exactement où était le gardien. Il n'a pas hésité. Un superbe passe. Superbe coordination entre le passeur et le buteur. C'était un but magnifique. Mais doublé pour lui, c'est mérité. Il réussit tous ses gestes aujourd'hui. C'est vraiment du bon travail. Un long ballon. Ah, il a eu un bon timing, mais sans réussite. Il cherche les espaces. Duilio Davino. Voilà, il a le ballon dans les pieds. Il peut rentrer dans la surface. La frappe! C'est fini! Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est fini dans cette rencontre.